وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 5. Que faire lorsqu'on a terminé de réciter le tashahhud derrière l'imam lors de la sourate al-jama'a alors que ce dernier n'a pas encore terminé? Alors, je tiens d'abord à rappeler que le tashahhud s'arrête à wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est ici où le tashahhud s'arrête. J'ai tous les textes qui sont venus détailler le tashahhud, ça s'arrête ici. Maintenant, on a la prière du prophète. J'ai donc celui qui a terminé de faire le tashahhud, il fait la prière sur le prophète. Ensuite, on a à la dernière raka, on demande la protection contre les quatre choses qui sont venues dans le hadith que vous connaissez. Ensuite, la personne peut faire des doigts. Bref, celui qui a terminé le tashahhud, et l'imam n'a pas encore terminé, s'il est à la dernière raka, il prie sur le prophète, il demande la protection contre les quatre choses qui sont venues dans le hadith que vous connaissez, et il fait doigts. S'il a terminé tout ça et que l'imam n'a toujours pas terminé, il fait des doigts. Il est demandé même de faire des doigts, n'est-ce pas, à la fin de la prière, c'est-à-dire après avoir fait le tashahhud, etc. C'est-à-dire ce qui est venu dans les nusus, dans les textes. La personne fait doigts. Donc, au lieu de rester comme ça, par exemple, à ne rien faire, parce que l'imam n'a pas encore terminé, la personne fait des doigts. Et si la personne est au premier tashahhud, la personne peut aussi prier sur le prophète. Comme certains savants ont dit, il est permis de prier sur le prophète même dans le premier tashahhud. Et je crois dans le Duror, dans le chapitre de la prière, je pense que j'avais expliqué ça là-bas. Cheikh Al-Albani dit même que même dans le premier tashahhud, on peut faire des doigts. On peut faire des doigts. Donc la personne ne reste pas comme ça, n'est-ce pas? La personne ne reste pas comme ça sans rien faire. Donc la personne fait, après avoir fait le tashahhud, la personne fait la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne fait des doigts. Si c'est par exemple la dernière raka, la personne fait des doigts. La personne fait des doigts. Il est recommandé de faire des doigts à la fin de la prière, c'est-à-dire avant le taslim. Donc au lieu de rester comme ça, la personne fait des doigts. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا